En avantage numérique pour la deuxième fois du match. C'est toujours 0-0. Bouchard. Dans le dos, le tir de l'enclave, c'est Messener. Et ça n'aura pris que 6 secondes. Pierre, les pétroliers qui prennent les devants. Poulin dans le coin. Poulin. Bataille contre l'autre numéro 26, Jalbert. C'est l'arrivée de Labrecque maintenant pour s'emparer du disque. Labrecque perd au même démarrage. Un tir est le but marqué par Poulin. Les 2-0 très rapidement du côté des pétroliers. Et dès que la rondelle est déposée, les gants et les casques sont tombés également. Voltuc, comme c'est son habitude, utilise son adversaire, voilà, il s'agrippe, une gauche, alors que Moriarty, il envoie de la droite, et gauche de Voltuc, shooté Moriarty qui se relève, revient de la droite, alors que Voltuc tente de se défendre, revient de la droite à son tour, de la gauche, et là, ben, les deux chutent, Voltuc a reçu Moriarty, au grand plaisir de la foule, et également ben, des coéquipiers de Kevin Voltuc. Lozier à la mise en jeu. C'est remporté par celui-ci, mais disait que c'est aussitôt saisi par Desmarais. Desmarais devant Lessard, rebrousse du chemin. Repère Pocola qui lui remet 10. Le tir, c'est le but! Et ça aurait été de très courte durée. Il est entraîné derrière le filet à collision et c'est Lessard qui va chuter. Réussit néanmoins la remise pour Rattel. On va derrière son filet, pardon. C'était pour Bordelot. Et ça ira vers... Daou, un angle fermé. Oh, quel but, là, Daou. Il a complètement, mais complètement surpris Philippe Cadorette. Il n'y avait pas d'espace, Pierre, devant le filet, derrière le défenseur. Bastien, Dumoulin, là, qui l'invite et il y aura combat entre les deux. Il y avait déjà une punition d'annoncer à Bordelot. Mise en échec par derrière à Yann Poirier. Là, c'est Dumoulin qui vient. Le contact est établi. Bordelot qui y va de droite et qui frappe solidement Dumoulin. Dumoulin, oh, là, solide droite. Dumoulin a frappé. Et là, ben oui, on demande. Dumoulin a été sonné. Il s'est dit correct, mais. Là, il avait tout un client. On sait qu'il n'avait pas froid aux yeux. Mario avait compté. Ils ont tenté de rejeter en fond de territoire. Jalbert est là pour s'en emparer. Oh, directement sur le bâton de Daou qui s'avance, le tir, l'arrêt. Le retour est libre une fois et c'est Bordelot cette fois qui va compléter. Avec quel revirement, Mario, dans le territoire de l'assurance. Et quand tu parles de revirement, Pierre, c'est vrai où à la ligne bleue. Une minute à l'avantage numérique des pétroliers qui mènent 5 à 3. 1 minute 50 à faire à la deuxième période. Daou, sur réception, le tir de Pocola, qui est une 2, c'est 5, 6 à 3, pardon. Pocola, un deuxième ce soir, à nouveau en avantage numérique. Oui, c'est un 3. Frappé de Giroux, il a déjà deux buts ce soir, mais ça rate la cible et c'est Bordelot qui va s'amener en compagnie de Damour à 2 contre 1, 0. Le tir de Damour, on l'a accroché. Est-ce qu'il y aura une... Oh, c'est le but marqué! Oh, je croyais qu'on avait raté la cible, mais finalement, Damour a réussi. Pas d'intervention de Leclerc. Le mur a été touché au visage. Il faudra voir si oui, l'officiel qui suivait le jeu derrière avait signalé l'infraction. Et Damour, l'ancien des 3L de Rivière-du-Loup, écrasé contre la rampe par Lessard, réussi à gagner sa bataille. La remise, le tir de Cortez, et but marqué par Bastien. Et c'est 8 à 3 maintenant, les pétroliers. Oui. Étienne